Bienvenue à un petit Jean-Ni Marchaud improvisé pour nos cousins français. Heureux de vous retrouver en ce vendredi. Je pense qu'on est rendu le 7. Hein? Je pense qu'on est le 7 février. Enfin, une tempête de neige. Je l'attendais avec impatience. Moi, j'aime bien l'hiver. Les enfants aiment bien l'hiver aussi parce que... Sur la rive nord, ici, dans les basses, il y a des écoles. Les écoles sont fermées. C'est comme si c'était la première fois qu'on avait une tempête de neige. Il y a déjà, je vous dirais, c'est le chien, Benji. Je vous présente Benji, un bon petit chien. Un labernois. Qui est super doux. Benji, viens ici, Benji. Benji, dis bonjour aux amis, Benji. Tout le monde pense que c'est un Rottweiler, mais non. C'est un labernois, tout doux. Donc, on peut voir, les cousins français, vous allez avoir une idée de ce qu'on vit habituellement au Québec. Hein? C'est ça, une belle journée d'hiver. Peut-être que l'hiver commence, parce qu'on a eu un mois de décembre complètement, presque automnal. Après ça, on a eu un mois de janvier aussi, des plus agréables pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, mais ceux qui aiment l'hiver, c'est un petit peu moche. Et là, peut-être que février, mars, avril va nous réserver un peu d'hiver. C'est les plaisirs de vivre au Québec. Le plaisir de vivre au Québec, c'est pas d'avoir tout près de 800 000 fonctionnaires. Un gros gouvernement qui mange nos payes. Le plaisir de vivre au Québec, c'est d'avoir quatre saisons, dont celle de l'hiver, qui rend les enfants heureux, parce qu'ils n'ont pas d'école un vendredi. Donc, imaginez, ça donne un beau long week-end. C'est formidable, c'est vraiment beau quand tu vois tomber ça. Surtout que c'est pas trop froid. On est peut-être à moins 6, moins 7, moins 5. Une belle neige, un petit peu de vent, mais ça supporte très, très bien. Et ça donne un paysage féerique. Je vous avoue qu'il est aussi magique et féerique que des paysages de plage insipides et futiles où tu vois des Occidentaux aller s'allonger sur les plages, se faire servir des cocktails de mauvaise qualité, manger toute la journée, comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture de leur vie, pour échapper à une semaine d'hiver. Franchement, c'est pas fort. Vous êtes mieux de rester ici, garder votre argent, puis profiter de l'hiver. C'est vraiment pas mal plus agréable, je trouve. Mais enfin, chacun a son... une idée des vacances. Pour certains, c'est d'aller s'allonger sur une chaise de plastique après avoir voyagé 4 à 6 heures en avion, dépendamment d'où vous allez, pour aller manger comme des cochons du matin au soir en espérant réserver dans le meilleur restaurant puis en revenant à la maison, expliquer à tout le monde que vous avez été chanceux de réserver dans tel ou tel restaurant du complexe hôtelier parce que le buffet commençait à être ennuyant puis répétitif. Ça vous démontre vraiment qu'on est une belle bande de poissons qui mordons toujours, toujours. Donc, juste pour vous donner une idée, il y a quand même déjà un bon 10 à 15 cm de tombée, peut-être 20. Je ne sais pas c'est quoi les prévisions. J'ai pas fait attention. Je savais qu'il y avait cette tempête-là qui s'en venait. J'en avais même pas parlé parce que je l'avais oublié. Puis ce matin, ben, c'était un réveil agréable. On est vraiment des poissons. Pendant qu'on nous convainc qu'on est en train de cramer, de tous brûler avec le réchauffement climatique, ben, t'as toutes les mêmes têtes de linotte qui essaie de te convaincre d'aller passer tes vacances où il fait 30, 35,
40 degrés. Et que c'est extraordinaire. Et que c'est formidable quand vous dépensez 3 ou 4 000 $. C'est normal. Et on ne vous casse pas la tête avec le réchauffement climatique. J'ai des amis qui vivent au Pakistan. Ben, qui vivaient au Pakistan, qui sont ici, des Pakistanais. Lala, entre autres, qui travaille avec moi au resto. Qui dit, vous êtes capotés. Nous autres, il fait 40 degrés 12 mois par année. On n'est pas capable de dormir la nuit parce qu'on vit dans des maisons de terre. On n'a pas d'air climatisé. Puis ça fait des milliers d'années qu'il fait 40 degrés. Puis on passe toutes les nuits à fumer, puis à boire du thé, puis à placoter, parce qu'on n'est pas capable de dormir. C'est pas formidable? Pendant ce temps-là, la même gang... Laissez-moi deux secondes que je change de main parce que je suis en train de geler.